je suis très, très ému et très impressionné de vous voir rassemblés dans cette très belle salle qui est absolument pleine à craquer. Je n'attendais pas cela du tout parce que, avec un temps pareil, je me disais qu'ils vont aller se promener à la campagne. Et comme la campagne autour de Vienne est très belle, je les comprenais parfaitement, en tout cas c'est ce que moi j'aurais fait. Plutôt que de venir ici pour m'écouter, j'aurais été manger du jambon dans des collines autour de Vienne. Ich möchte zuerst sagen, dass ich sehr beeindruckt bin oder fast gerührt, dass ich Sie alle hier in diesem sehr schönen Saal sehen kann, der ja bummvoll ist. So viele hätte ich mir gar nicht erwartet, denn es ist ja sehr schönes Wetter in Wien und ich hätte mir gedacht, Sie gehen lieber spazieren oder fahren aufs Land, ins Umland hinaus, das in, rund um Wien ja auch sehr schön ist. Das hätte ich sehr gut verstanden. Ich jedenfalls hätte das so gemacht und wäre nicht hierher gekommen, um mich hier anzuhören. Je voudrais remercier les jeunes gens qui ont organisé cette rencontre, cette manifestation. Et quelque chose me touche profondément. Je leur ai posé la question tout à l'heure dans la voiture parce que je ne les connaissais pas. J'ai demandé s'il y avait des juifs parmi eux. Ils m'ont répondu non. Et je regarde la salle qui est devant moi, je pense qu'il y a une... S'il y a des juifs parmi vous, ils sont vraiment cachés. Ils sont une minorité, pas très nombreux. J'ai envie de dire que les juifs lèvent la main, ils ne doivent pas être très nombreux. Ce qui est très bien, ça me plaît beaucoup. Und dann möchte ich den jungen Leuten sehr herzlich danken, die diese Begegnung, diese Veranstaltung heute hier organisiert haben. Es berührt mich auch sehr. Ich habe Ihnen zuerst, als wir im Auto hierher gefahren sind, die Frage gestellt, ob Sie Juden sind. Und Sie haben gesagt, nein. Und wenn ich den Saal hier so vor mir sehe, dann glaube ich, sind vielleicht auch nur wenige Juden versteckt. Es ist nur eine Minderheit. Es werden nicht sehr viele sein, wenn ich sage, es sollen die Hand heben. Aber das gefällt mir auch sehr gut. Alors, je suis très perplexe, très, très embarrassé, et je ne sais pas très bien par où commencer, je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus. Et on me dit, je viens d'entendre que la plupart d'entre vous n'aviez jamais vu mes films, et ça m'intéresse moi de savoir ce que vous en avez pensé et comment vous réagissez à cela, et je suis tout prêt à vous aider en vous racontant un peu l'histoire de ces films. Parce que chacun d'eux est une histoire assez folle. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire, parce qu'il faudrait parler toute la nuit, toute la journée, encore une nuit, non jamais fini. Je vais commencer par quelque chose qui va vous donner une idée de l'état dans lequel moi je me trouvais quand j'ai attaqué ce travail.
Ich muss also sagen, ich bin geradezu perplex oder auch ein bisschen verlegen und ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt eigentlich anfangen soll oder was Sie am meisten interessieren wird. Jetzt hat man gesagt, die meisten von Ihnen haben meine Filme vorher noch gar nicht gesehen gehabt, aber jetzt würde mich auch interessieren, was haben Sie da gedacht dabei, wie haben Sie jetzt darauf reagiert? Und ich bin natürlich sehr gerne bereit, Ihnen sehr etwas zu helfen, um diese Geschichten der Filme besser zu verstehen. Denn jeder Film hat ja eine ganz eigene Geschichte, eine verrückte Geschichte. Natürlich kann ich Ihnen nicht alles erzählen. Das würde ja eine ganze Nacht dauern und noch einen Tag und noch eine Nacht. Wir würden also nie zu einem Ende kommen. Aber ich glaube, ich werde damit anfangen, Ihnen eine Vorstellung zu geben, in welchem Zustand ich mich befunden habe, als ich mit dieser Arbeit begonnen habe. Und mon dernier Film, vous avez sûrement entendu parler, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, s'appelle Le dernier des injustes. En allemand, c'est Der letzte, der ungerechte, c'est ça? C'est ça. Et pour moi, c'est un film très, très important. Et le film que j'ai terminé l'année dernière, et je l'ai tourné en 1975, c'est-à-dire 40 ans avant. Alors ça pose quand même des questions. Il faut essayer de comprendre pourquoi cela. Ich werde vielleicht mit meinem letzten Film anfangen, von dem Sie vielleicht gehört haben oder vielleicht haben ihn manche von Ihnen auch gesehen. Er heißt auf Deutsch Der letzte der Ungerechten. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Film. Er ist erst im letzten Jahr fertig geworden, aber ich habe ihn im Jahr 1975 schon gedreht. Das heißt also vor mehr als 40 Jahren. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum das so war. Ce sont les questions que tous les journalistes dans le monde me posent après qu'ils aient vu ce film. Mais Monsieur Landman, pourquoi est-ce que vous avez attendu 40 ans avant de faire un film avec un matériel que vous aviez tourné 40 ans auparavant ? C'est une question évidente pour eux, c'est une question facile, ils sont contents. Et pour moi, c'est une question très très difficile à répondre. Mais on a le droit de poser la question, et il faut la poser. Traduisez ça. Diese Frage wird oder wurde mir von allen Journalisten auf der ganzen Welt gestellt, nachdem Sie den Film gesehen haben. Monsieur Landsmann, warum haben Sie 40 Jahre lang gewartet, um dieses Material zu zeigen, das Sie schon so lange vorher gedreht haben? Das ist eine klare Frage für die Journalisten, das können Sie einfach stellen. Für mich ist es aber sehr schwierig, darauf zu antworten. Aber natürlich hat man ein Recht, diese Frage zu stellen. Ja, man muss sie ganz einfach stellen. J'ai tourné avec M. Murmelstein, le rabbin, qui était un rabbin de Vienne, Benjamin Murmelstein. J'ai tourné avec lui à Rome, car c'était à Rome qu'on pouvait le rencontrer, c'est à Rome qu'il vivait, puisque Israël lui était interdit. Il s'était installé à Rome. J'ai tourné avec lui pendant une semaine entière. Le matin, l'après-midi et quelquefois le soir. Ça fait un matériel énorme. Alors, qu'est-ce que je faisais moi?
Pourquoi est-ce que je faisais ça? En principe, c'est de commencer à faire un travail sur ce qu'on appelait alors, ce mot ignoble, l'Holocauste, à qui j'ai donné moi un autre nom, le nom de Shoah. Et vous vous rendez compte ce que c'est que de tourner 7-8 heures par jour, le matériel qu'on accumule. Comment est-ce qu'on peut faire un film avec ça? Comment est-ce qu'il y a un producteur de cinéma assez fou pour financer une entreprise pareille? Généralement, les producteurs de cinéma ne sont pas du tout des philanthropes. Alors il faut essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ma tête à moi. Parce que je ne suis pas absolument imbécile, je ne suis pas absolument crétin, et pourtant, je me disais, tu ne vas rien pouvoir faire avec ça. Mais je continuais à tourner. Je ne pouvais pas m'empêcher, je ne pouvais pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que ce qu'il me racontait était passionnant, n'avait jamais été dit, et personne ne lui avait posé les questions que moi je lui posais. Je sais poser des questions aux gens. Ich habe damals mit Murmelstein gedreht, Benjamin Murmelstein, er war Rabbiner in Wien gewesen. Gedreht haben wir diese Szenen in Rom, dort habe ich ihn getroffen, dort hat er gelebt, weil ihm nämlich in Israel die Einreise verboten wurde, deswegen hat er sich in Rom niedergelassen. Wir haben eine ganze Woche gemeinsam gedreht, am Vormittag, am Nachmittag, manchmal auch noch am Abend, und ich habe dabei enorm viel Material zusammengebracht. Die Frage ist also, was habe ich da gemacht oder warum habe ich das eigentlich gemacht? Es war zu der Zeit, als ich die Arbeit begonnen habe, die sich um den, wie man damals gesagt hat, Holocaust gedreht hat. Das ist ein abscheuliches Wort und ich habe dann dafür ein anderes Wort gewählt, das ist die Shoah. Ist es Ihnen eigentlich klar, was das bedeutet, 7 bis 8 Stunden am Tag zu drehen, was das heißt? Wie viel man da sammelt, wie viel man da zusammenbringt? Die Frage war, wie macht man dann aus so etwas einen Film und wie findet man einen Produzenten, der verrückt genug ist, so ein Unternehmen zu finanzieren? Denn normalerweise sind Filmproduzenten ja nicht unbedingt Filmanthropen. Stellen Sie sich also vor, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Denn ich bin weder dumm noch sonst verrückt. Was war also der Grund dafür, dass ich das getan habe? Ich wusste selbst nicht, was ich dann damit anfangen würde, aber ich habe immer weiter gedreht. Ich konnte gar nicht aufhören. Und warum? Weil das, was mir erzählt wurde, war so aufregend, so spannend, das ist noch nie gesagt worden. Niemand hat Murmelstein solche Fragen gestellt, wie ich es getan habe. Shoah ist ein Film, qui dure 9h30. C'est beaucoup. Et dans le cinéma, c'était très rare, ça n'avait jamais été fait. J'ai tourné avec Murmelstein, je répète, pendant une semaine entière, tous les jours, ça fait beaucoup plus de 9h30. Et qui était fou dans toutes ces histoires? Qu'est-ce que je faisais en tournant avec cet homme? Parce qu'il était très important pour moi, parce qu'il incarnait toute la problématique des Judenräte, des conseils juifs,
Et les pensées juives, c'est quand même ce qui permet de poser les vraies questions et de comprendre l'absolue criminalité des nazis. Donc c'est pourquoi je m'intéressais à ça. Et parce que les juifs officiels, très superficiellement, condamnaient cet homme, le considéraient comme un traître, alors qu'il a sauvé 120 000 juifs viennois et d'autres juifs d'Autriche, etc. Mais il négociait avec Robert Sturmführer Adolf Eichmann. Bon, je ne vais pas entrer dans tout ça parce que c'est une affaire compliquée. Je me suis expliqué d'ailleurs. Mais je vous prie de me croire, c'est il y a très peu de temps, en Hollande, à Amsterdam, où j'avais été invité à parler sur Shoah par une librairie française d'Amsterdam. On m'a reposé cette question, pourquoi j'ai attendu 35 ans, 40 ans pour faire un film avec ce que j'avais tourné. Alors, et soudain, il m'est advenu pour la première fois. J'ai un esprit lent, finalement, pour la première fois que je ne cherchais pas à faire un film. Je disais que je faisais un film, mais ce n'était pas ça qui me poussait. Ça n'était pas cela qui me motivait. Qu'est-ce que je faisais? J'étais tellement fasciné par ce que me racontait Benjamin Bourmelstein, par les espaces d'intelligence et de lumière que tout son récit portait sur la Shoah, que pour moi c'était un trésor. En fait, j'accumulais le matériel d'un trésor, comme dans l'Antiquité grecque, par exemple, les cités grecques faisaient des trésors à Delphes, par exemple. Vous avez à tous les étages de Delphes des trésors, mais des véritables trésors comme l'orifice de Delphes, etc. Et ces trésors, il fallait les avoir, il fallait les construire, mais je ne pouvais pas faire un film. C'était impossible. Et la même histoire m'est arrivée pendant les 12 années de la réalisation du Shoah, parce qu'il m'a fallu 12 ans pour faire le film. Mais paradoxalement, j'ai fait quand même Shoah, j'ai fait un film qui s'appelle Shoah, qui est une œuvre maîtresse, je dirais moi œuvre mère, parce que Shoah a donné des enfants, comme on dit en anglais, des offsprings. Depuis Shoah, j'ai fait, avec le matériel tourné en 1975, non seulement le dernier des Indus, Der Letzte der Ungerechten, mais j'ai fait 5 autres films. J'ai fait Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures,
J'ai fait le rapport Karski, j'ai fait, je ne sais plus, mais j'ai fait Un vivant qui passe, j'ai encore fait 3 films de plus. C'est-à-dire, Shoah a donné... Est-ce que je peux vous interrompre? Ça dépend. Si vous me dire des conneries, ne m'interrompez pas. Non, aucune connerie, je traduis parce que la salle ne comprend pas. Parce que... Parce qu'il y a une partie des personnes dans la salle qui ne vous comprennent pas si je ne traduis pas. Ah oui, traduisez, ça. J'ai oublié. C'est pour ça que je vous interromps. On peut faire autrement au Japon, par exemple. Faisons comme au Japon. Au Japon, je parle devant une salle pendant une demi-heure, tout seul. Et puis après moi, l'interprète parle tout seul pendant une demi-heure. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit en japonais. Les japonais ont été... Die können sogar eine halbe Stunde notieren und schaffen das dann. Ich bin schon mit 5 Minuten genug. Der Film Shoah dauert insgesamt 9,5 Stunden. Das ist sehr viel und das ist etwas sehr Seltenes. Das ist vorher noch nie im Kino vorgekommen. Wie gesagt, ich habe mit Murmelstein eine ganze Woche gedreht und da haben wir so viel mehr Material gehabt als 9,5 Stunden. Und wer war da jetzt der Verrückte? Das, was ich getan habe, habe ich deshalb getan, weil dieser Mann für mich so wichtig war. Er verkörperte nämlich das gesamte Problem der Judenräte. Und diese Frage der Judenräte ist eine ganz wichtige Frage, die muss man verstehen, wenn man wirklich die Größe der Nazi-Verbrechen verstehen will. Und das war etwas, was mich ganz besonders interessiert hat. Die sogenannten öffentlichen Juden haben nämlich Murmelstein verurteilt. Sie haben gemeint, er sei ein Verräter. Dabei hat er in Wirklichkeit 120.000 Juden aus Wien und auch aus anderen Teilen Österreichs gerettet. Aber er hat verhandelt, er hat mit den Nazis verhandelt, insbesondere mit dem Obersturmführer Adolf Eichmann. Auf das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und ich habe das ohnehin dargestellt. Aber Sie müssen mir glauben, vor kurzem war ich in Holland eingeladen, in Amsterdam, von einer französischen Buchhandlung und sollte dort über die Shoah sprechen. Und auch dort hat man mir dieselbe Frage gestellt. Warum haben Sie 35 oder 40 Jahre lang gewartet, bis Sie dieses Material gezeigt haben. Und plötzlich, und das war das erste Mal, dass mir das nach langer Zeit zum Bewusstsein gekommen ist, bin ich darauf gekommen, dass ich damals gar nicht versucht habe, einen Film zu machen. Ich habe das nur so gesagt. Aber ich wurde von etwas angetrieben, ich wurde von etwas weiter getrieben. Ich war nämlich so fasziniert von dem, was Murmelstein mir berichtete. Von seiner Intelligenz, von der Art und Weise, wie er es sagte. Das war nämlich aufklärend für die Shoah. Es war gewissermaßen ein Schatz. Ich habe hier Material zusammengetragen, das einen richtigen Schatz gebildet hat, so wie in der griechischen Antike, etwa in Delphi, man einen Schatz hatte, aus dem man dann etwas gebaut hat. Und damals war es mir aber noch unmöglich, daraus einen Film zu machen. Und eine ähnliche Geschichte ist natürlich die Geschichte von Shoah. Auch da habe ich 12 Jahre dafür verwendet. Und ich habe da einen Film gemacht, den ich als mein Hauptwerk bezeichnen möchte oder auch als Mutterwerk. Denn dieses Mutterwerk hat dann verschiedene Kinder, Offsprings, hervorgebracht. Seither, seit ich dieses Material 1975 gedreht habe, ist daraus nicht nur in der Folge der Film Der Letzte der Ungerechten entstanden, sondern auch noch 5 andere Filme, Sobibor, Karski-Bericht und noch andere, die mir jetzt entfallen. Es ist nicht fini. Ich habe noch einen anderen Film, der nicht sorti, aber den wir vielleicht voir. Au mois de mai, au Festival de Cannes. Je dis peut-être parce que je n'en suis pas sûr.
qui s'appelle Les Quatre Sœurs, au sens où on parle des trois sœurs de Tchekhov, par exemple, Les Quatre Sœurs, et qui est un film qui dure 5h15, qui est un film absolument magnifique. Ce sont quatre vies de femmes juives que j'ai tournées en même temps que Mourmalstetter, enfin dans les quelques années qui ont suivi, et je n'en ai rien fait non plus, je n'ai pas pu intégrer cela à Shoah, impossible. Donc chacune requérait un film al-Zik en soi, vous comprenez. Et je l'ai fait, c'est un film magnifique. Quand je le vois, je pleure tout le temps. Et je ne suis pas le seul, tous ceux à qui je l'ai montré pleurent. C'est-à-dire, il faut comprendre que vous avez affaire à un fou. Le fou, c'est moi. Le type qui est en train de vous parler est un fou absolu. Parce que pour faire ça, il fallait être fou. C'était la folie même. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais j'étais fou. Il faut être fou pour faire ce que j'ai fait. Je ne savais pas comment je ferais. Je n'avais pas d'argent. Les Israéliens m'ont aidé au début, mais après il y a eu la guerre dite de Kippour, et ça a été fini. Et alors on m'a fait faire plusieurs voyages aux États-Unis pour parler aux leaders de la communauté juive, demander de l'argent. Alors ils voulaient savoir ce que je faisais, pourquoi j'avais besoin. Alors je disais, mais quel est votre message, monsieur, me demandait-il. Si j'avais dit, plus jamais ça, ou bien aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, j'aurais trouvé de l'argent. Je ne pouvais pas dire ça, c'est pas mon genre. Donc j'ai fait plusieurs tournées aux États-Unis, je n'ai pas trouvé, il n'y a dans Shoah pas un dollar américain. Je suis très fier de ça. Pas un dollar américain. C'est encore un signe de folie absolue. Je pouvais arrêter et dire, je n'en peux plus. Mais je suis un type têtu, très têtu. Et j'ai continué. Et ça a donné, c'est interminable. Parce que c'est pourquoi je pense que je vais vivre très longtemps. Parce qu'il y a encore d'autres films à faire avec tout ce que j'ai tourné depuis 1975. Et si c'est pas moi qui l'ai fait, ce sera personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais si vous vous levez, si vous dites, monsieur, vous avez raison, vous êtes fou, j'applaudis. Ich habe auch noch andere Filme, die aus diesem Material hervorgehen werden, und einer davon wird vielleicht im Mai in Cannes gezeigt werden. Ich sage vielleicht, weil es ist noch nicht ganz sicher. Dieser Film heißt Vier Schwestern in Anlehnung an Tschechows Drei Schwestern. Es ist ein Film, der 5¼ Stunden dauert, und es ist ein großartiger Film. Es sind vier Lebensgeschichten von vier jüdischen Frauen, die ich auch damals nach der Murmelstein-Episode gedreht habe, und
auch da konnte ich diese verschiedenen Lebensgeschichten nicht in Shoah aufnehmen. Denn jede Geschichte ist ein Film an sich. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, weine ich. Und ich bin nicht der Einzige. Alle, die ihn sehen, weinen dabei. Es war eine reine Wahnsinnstat. Ich bin ein absoluter Wahnsinniger. Der so etwas tut, der kann nur wahnsinnig sein. Und das sage ich nicht, weil ich hier angeben möchte, sondern weil ich wirklich verrückt war. Ich wusste nicht, wie ich vorgehen sollte. Ich hatte kein Geld. Am Anfang hat Israel mir geholfen, aber nur am Anfang, denn dann kam der Yom Kippur-Krieg und es gab kein weiteres Geld mehr. Ich unternahm dann verschiedene Reisen in die Vereinigten Staaten, um dort von der jüdischen Gemeinde Geld zu bekommen. Aber die haben mich gefragt, was machen Sie da eigentlich, wofür brauchen Sie Geld, haben Sie irgendeine Message zu vermitteln? Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, der Film heißt Nie wieder oder Liebt einander oder Lieben wir uns, dann hätte ich sicher Geld bekommen. Aber das konnte ich nicht tun, das war nicht meine Art. Und bei diesen verschiedenen Tourneen habe ich keinen einzigen amerikanischen Dollar bekommen. Und ich bin sehr stolz darauf. Auch das ist ein Zeichen des Wahnsinns, werden Sie mir sagen. Jeder andere hätte aufgehört. Aber ich bin sehr stur, ich bin starkköpfig und ich habe also weitergetan, weitergearbeitet. Es ist eine unendliche Geschichte. Und ich glaube, ich werde noch sehr lange leben, denn ich habe noch andere Filme zu machen. Es gibt noch viel Material aus der Zeit um 1975. Und wenn ich diese Filme nicht mache, dann wird niemand sie machen. Je vous fais un très très grand cadeau ce soir, parce que je vous dis des choses que je n'ai jamais dites à personne. Et vous savez pourquoi je vous l'ai dit à vous ? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a dans cette salle une minorité de juifs, pas plus. Bon. Si cette salle était juive, je ne pourrais pas dire ça. Il ne comprendrait pas. Il dirait que je suis antisémite, probablement. Und ich muss Ihnen noch etwas sagen. Et ça me fait un plaisir formidable. Je remercie les jeunes gens non juifs, des vrais goïs, qui ont organisé ça. Parce que c'est impossible de tenir ce discours à une assemblée juive. Il me fusille tout de suite. Oui, monsieur, oui. Ich mache Ihnen heute Abend ein großes Geschenk, denn ich sage etwas zu Ihnen, was ich noch nie zu jemandem gesagt habe. Und möchten Sie wissen, warum das so ist? Das ist deshalb, weil hier im Saal nur eine Minderheit an Juden sitzt. Wenn in diesem Saal nur Juden sitzen würden, könnte ich das nicht sagen. Sie würden es nicht verstehen. Sie würden glauben, ich bin ein Antisemit. Deshalb ist es für mich eine sehr große Freude. Und ich danke noch einmal diesen jungen Leuten, die also nicht Juden sind, die richtige Goy sind und die das, diese Möglichkeit hier mir gegeben haben. Mon existence est très compliqué parce que je ne suis pas du tout synchro avec l'histoire. Quand Israël a été créé en 1948, je ne m'occupais pas du tout d'Israël. J'étais lecteur de philosophie et de littérature française à la Freie Universität Berlin. C'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et c'est devenu un repère de nazis d'ailleurs. Bon, Israël, pour moi, ça a commencé plus tard. J'étais en Israël pour la première fois en 1952. C'est-à-dire 4 ans après la création de l'État.
Et ça a profondément modifié ma vie aussi. C'est très compliqué, mais ça, c'est pas... J'ai fait un livre qui s'appelle Le lièvre de Patagonie, Der Patagonische Hase. Qui a lu ça ici? Qui a lu mon livre? Personne. Hein? C'est une honte d'assister à une chambre. Je veux que quand vous sortez, vous achetez tout ce livre. Il a été publié chez Rowold. Il a obtenu le prix de comment appelle-t-on ça, le grand prix littéraire allemand. Deutsche Buchpreis. Voilà, Deutsche Buchpreis. Il y a une grande cérémonie à Berlin. Et c'est un livre très très beau et très original et très drôle aussi. Et il y a une très belle histoire d'amour dedans. Mademoiselle, ne riez pas. Oui, ça existe, l'amour. Et c'est fou, je suis découragé à l'idée de... Comment est-ce qu'on revue tout ça? Comment est-ce qu'on les fait bouger? Je traduis d'abord. Ich habe ein sehr kompliziertes Leben hinter mir. Es ist niemals synchron verlaufen zur Geschichte. Im Jahr 48, als Israel gegründet wurde, war ich als Lektor in Berlin an der Freien Universität Berlin und habe dort Philosophie und französische Literatur zwei Jahre lang gelehrt. Nach Israel bin ich erst viel später gefahren, das erste Mal 1952, das war also vier Jahre nach der Staatsgründung. Diese Reise hat aus verschiedensten Gründen mein Leben auch zutiefst verändert. Und ich habe ein Buch über meine Lebensgeschichte geschrieben, das heißt auf Deutsch Der Patagonische Hase. Und ich sehe, dass Sie im Saal nur ganz wenige gelesen haben. Das ist eine wirkliche Schande. Wenn Sie jetzt hinausgehen, müssen Sie also alle dieses Buch kaufen. Es ist auf Deutsch bei Rowold erschienen und hat damals den Deutschen Buchpreis bekommen. Und das war eine feierliche Verleihung in Berlin. Dieses Buch ist sehr schön, es ist sehr originell und es enthält auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Und Sie müssen hier gar nicht lächeln, weil es gibt die Liebe. Alors qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je continue ou quoi? Was möchten Sie jetzt? Soll ich da noch weiter reden? Mais expliquez-leur que je suis très sérieux. Je veux qu'ils lisent le lièvre de Patagonische Hase. Also ich bin ganz ernst und ich möchte wirklich, dass Sie der Patagonische Hase lesen. Et vous me remercierez en pleurant. Und Sie werden mir dann danken, wenn Sie dabei weinen müssen. Fragezeichen. Voilà pourquoi ça veut dire. Et
Et pour résumer, c'est très difficile à résumer. Mais Israël est un film très très drôle. On rit beaucoup. On rit. Les Juifs ont le droit de rire. Ouais. Bon, et... Et il y a des choses... Je ne sais pas comment... Comment raconter ça? Je vois par exemple, il y a une scène. Ça se passe à Jérusalem. Vous avez une jeune femme policier. Il y a une police juive féminine. Bon. Et je lui demande, moi, un peu pour la provoquer, elle était très charmante, qu'est-ce que ça vous fait d'arrêter des juifs? Parce que moi, pour moi, arrêter des juifs, ça voulait dire autre chose. Or, elle est policière à Jérusalem. Donc, elle empêche les gens de traverser la rue, par exemple. Et s'ils traversent quand même, elle va derrière eux, elle les attrape. Elle les arrête. Ça peut dégénérer, ça peut être la prison au bout. Alors, elle dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre question. Je lui dis, mais quoi, ça ne vous fait rien que les gens que vous arrêtiez soient des juifs? Parce que pour moi, arrêter des juifs, c'est la Gestapo. Geheime Staatspolizei. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Et je ne comprends pas. Elle me dit, j'ai jamais arrêté un arabe. J'ai toujours arrêté rien que des juifs. Voilà ce qu'elle dit. Ça, c'est pour vous montrer tout l'humour qu'il y a dans un film pareil. Mais j'avais rencontré... dans une ville de fouilles qui s'appelle Megiddo, en Israël, dans le voyage que je faisais, ce premier voyage, un car avec des touristes américains, tous des juifs polonais, bon, petits, gentils, mais qui venaient voir Israël et qui donnaient de l'argent pour Israël. Ils voulaient savoir ce qu'on faisait avec leur argent. Et puis ils étaient drôles, ils étaient assez marrants. Et je leur ai demandé quel était leur itinéraire, où ils seraient dans 15 jours. Et ils m'ont dit que dans 15 jours, ils seraient à Jérusalem. Et moi, il y avait quelque chose que je voulais montrer, c'était difficile à montrer. Parce que c'était quelque chose que j'éprouvais moi-même. Découvrir un monde juif, un pays dans lequel tout le monde est juif, ça ne va pas de soi. Et j'ai vu un supermarché, très bien fait, comme tous les supermarchés achalandés, etc. Et j'ai retrouvé les juifs que j'avais interrogés à Megiddo. Et je suis monté dans leur autobus et je leur ai tenu un discours. Je leur ai dit que je suis un juif français. Voilà ce que j'éprouve quand je suis en Israël, à savoir la normalité. Ils
que d'un pays normal. Et Ben Gourion disait, on sera un pays comme les autres, le jour où on aura nos assassins, nos prostituées, etc., etc. Ils les ont. Et je leur dis que je voudrais tourner une scène avec eux, mais une scène pas vraiment spontanée, mais jouée, il fallait qu'ils jouent comme des acteurs. Je les ai emmenés au supermarché, dont je vous parle, et là c'est extraordinaire, ils ont joué magnifiquement. Ils voient des boîtes de thon, tuna. Tuna fish, des boîtes de thon, un conserve de thon. Alors ils prennent la boîte, tuna, Jewish tuna. Et ils sont Jewish bread, etc. Et il y a une scène extraordinairement marrante, désopilante. Et c'est toute la question qui est une question centrale, à savoir la normalité d'Israël, c'est la normalité privative, abnormalité. La normalité d'Israël, c'est the normalcy of Israel is the abnormalcy as such. Dites-leur ça parce que je crois que je parle trop mal. Arrêtez un peu, je traduis. Oui. Der erste Film, den ich gedreht habe, heißt Warum Israel? Und zwar warum ohne Fragezeichen. Eigentlich soll es heißen Darum Israel. Es ist sehr schwierig, den jetzt kurz hier zusammenzufassen, aber es ist auch ein sehr lustiger Film. Man lacht sehr viel. Jürgen dürfen durchaus lachen. Zum Beispiel habe ich eine Szene gedreht in Jerusalem, wo ich eine junge jüdische Polizistin treffe und ihr die Frage stelle, etwas provokant, sie war eine Polizistin. Polizistin. Wer kontrolliert? J'ai dit, vous me contrôlez. Contrôle tout le monde. Und diese Polizistin... Die Polizistin war sehr charmant und ich habe ihr dann provokant die Frage gestellt, was empfinden Sie eigentlich dabei, wenn Sie Juden festnehmen? Und sie war also überrascht, weil natürlich nimmt sie nur Juden fest, wenn jemand falsch über die Straße geht oder wenn etwas ausartet, dann kann man ins Gefängnis kommen. Und sie sagt, ich verstehe Ihre Frage nicht, denn für mich bedeutet Juden festnehmen, dass die Gestapo die Juden festnimmt, die geheime Staatspolizei, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und sie sagt zu mir, ich habe noch nie einen Araber festgenommen, immer nur Juden. Das ist also diese Art Humor, die in diesem Film auftritt. Oder eine andere Szene war in einer jüdischen Stadt Megiddo, wo Ausgrabungen durchgeführt wurden, habe ich einen Bus gefunden, gesehen mit amerikanischen Touristen. Diese amerikanischen Touristen waren alle polnische Juden, die für Amerika gezahlt haben und sie wollten sehen, was mit ihrem Geld in Israel passiert. Das war eine recht lustige Reisegruppe und ich habe sie dann zwei Wochen später in Jerusalem wieder getroffen. Ich wollte mit ihnen etwas zeigen, ich wollte etwas entdecken aus dieser jüdischen Welt. In einem Land, wo alle Juden sind, das ist ja etwas, was gar nicht selbstverständlich ist. Und ich habe dort einen Supermarkt gefunden, der sehr gut ausgestattet war, mit vielen Waren. Und ich habe dann eine Rede gehalten in diesem Bus mit den amerikanischen Juden und habe gesagt, ich bin ein französischer Jude und ich möchte Ihnen hier zeigen, wie die Normalität vor sich geht. Ben-Gurion hat einmal gesagt, wir werden erst ein normales Land sein, wenn es bei uns auch Mörder gibt und Prostituierte. Und das gibt es jetzt tatsächlich. Und wir haben dann so eine Szene gedreht, nicht spontan, sondern wie wenn diese Gruppe Schauspieler gewesen wären und sind in den Supermarkt alle hineingegangen und dann gab es dort zum Beispiel Thunfischkonserven und die Einzelnen haben sich dann begeistert und gesagt, das ist jüdischer Thunfisch oder jüdisches Brot.
Also das war eine extrem witzige Szene. Und gleichzeitig hat es mit einer zentralen Frage zu tun. Denn die Normalität in Israel ist die Abnormalität an sich. Ils ont compris ça, vous avez compris vous-même. J'espère. Mais il y a 1000 anecdotes là-dedans. C'est un film qui dure 3 heures et qui est. Il est très émouvant, mais vous devriez voir tous mes films aussi. Organisez ça. Ils sont en train d'eux. Ils l'ont déjà montré la semaine dernière. Ils n'ont pas montré pourquoi Israël. Si, si, ils l'ont montré. Oui. Ils ont montré pourquoi Israël, Shoah, et la semaine prochaine, Tal Afar-Tzahal. Ça, c'est un très très bon film. Tout ça il part d'un foyer central, du même foyer, la Shoah. Parce que la Shoah, ou ce que ces imbéciles d'Américains appellent l'Holocauste, la Shoah n'était pas seulement un massacre d'innocents, c'était un massacre de gens sans défense. Traduisez ça. Es gibt natürlich tausende Anekdoten, die ich darüber erzählen könnte, denn der Film Warum Israel dauert 3 Stunden. Und den sollten Sie unbedingt sehen. Sie sollten überhaupt alle meine Filme anschauen. Zahal ist auch ein sehr schöner Film. Für alle diese Filme ist selbstverständlich Shoah der Ausgangspunkt. Die Shoah, die die Dummköpfe von Amerikanern Holocaust nennen. Und die Shoah ist nicht nur ein Massaker an Unschuldigen, sondern sie ist ein Massaker an Personen, die keinen Schutz, keine Verteidigung hatten. Et ça, c'est un film sur les armes et sur la conquête du courage, parce que le courage est une conquête. Et il y a des choses magnifiques, formidables dans ce film. Mais la construction des tanks, le tank que Merkava a construit par le général Tal, d'Italie, qui était un grand génie. Et ce sont ces temps qui ont sauvé à plusieurs reprises Israël. Moi, j'ai été dans les temps du général Tal. Quand j'ai tourné cette salle, je voulais comprendre tout, je voulais tout faire. Alors j'ai donc été dans les tanks, j'ai tiré avec les tanks, tiré à l'arrêt, ce qui est relativement facile, mais tiré à partir d'un tank qui roule, c'est beaucoup plus difficile. Il y a eu des batailles de tanks, des batailles de chars, les pires batailles de l'histoire des guerres. Et donc je voulais tout faire. Alors j'ai volé dans des fantômes. J'ai volé dans des F-16. C'est très impressionnant. Et je l'ai fait sans vomir. On les vomissait. Même les plus durs d'entre nous vomissent. Je n'ai pas vomi. Et j'ai pesé de gravité, quand on vous donne
en costume, et ce sont des jeunes femmes qui vous habillent, qui vous adoubent comme un... comme un, si on vous donnait une armure du Moyen-Âge, et on vous donne tout, un slip, une calotte, etc., etc. Et on vous conduit jusqu'à l'avion. Et c'est très, très émouvant, très bouleversant, un peu effrayant, d'autant plus que ils ne font rien pour supprimer l'inquiétude, l'anxiété, jusqu'au dernier moment, sont des avions à double commande, jusqu'au dernier moment, le pilote vous dit, mais il n'y a pas de honte à avoir peur, si tu ne veux pas partir, tu ne pars pas, et voilà, personne ne te le reprochera. Alors moi, quand on me dit ça, je pars, au contraire, je le fais. Alors, il m'a même donné le manche comme ça pour que je fasse un tour complet. Je n'ai pas osé le faire jusqu'au bout. Parce que c'est une gifle de la terre violente. Et il m'a la fait refaire, je l'ai fait. J'ai fait exactement tout ce qu'ils font, l'entraînement des parachutistes. Ils ont un engin qui s'appelle Eichmann, et tous les parachutistes passent par là, tous ceux qui vont sauter pour la première fois. Alors on monte par un escalier, un ascenseur à 100 mètres de hauteur, et sur une plateforme, et puis on regarde, on voit le vide, et puis les membres de votre équipe qui sont en bas, tout petits, et il faut sauter. Alors, mais c'est quand même très, très, très réaliste, parce que ça fait peur de se jeter dans le vide. Comme ça. Et on saute, et ça va très vite. Et si, heureusement, Eichmann vous retient, il y a deux sangles qui passent autour des épaules et on s'arrête net en pleine chute. On continue à tomber, mais plus doucement. Mais c'est quand même encore trop vite. Moi, je me suis esquinté un genou en faisant ça. Voilà. Mais Sarah est un film magnifique parce qu'on comprend ce que c'est que la conquête du courage pour eux. Quand ils sont pris dans une embuscade, par exemple, embouche. Généralement, le réflexe humain le plus normal est de se cacher, de s'enfuir. Là, c'est pas vrai, ils leur apprennent, on vous tire dessus. Vous vous jetez sur le fusil qui est en train de vous tuer. Il n'y a pas d'autre choix, on leur apprend ça. Beaucoup sont morts en faisant ça. Mais c'est cela qui devrait enseigner. C'est pourquoi ils ont une armée formidable. Bon alors, monsieur là-bas, peut-être que l'on peut arrêter. Sahal ist ein Film über die Waffen und über die Streitkräfte und über die Eroberung des Mondes. Es wird dabei zum Beispiel gezeigt, wie großartige Panzer gebaut werden. Und bei diesen Panzerschlachten, die mehrmals eingesetzt wurden, war es möglich, dadurch erst Israel zu retten. Ich bin auch bei so einem Panzer mitgefahren. Ich wollte nämlich, als ich diesen Film Zahal drehte, alles verstehen. Und
Daher habe ich sogar selbst aus dem Panzer geschossen. Das ist noch ganz einfach, wenn der Panzer steht, aber beim Fahren ist es schon viel schwieriger. Ich bin auch mitgeflogen mit verschiedenen Kampfmaschinen, F-16 zum Beispiel. Das war ganz besonders beeindruckend und ich habe dabei nicht einmal erbrochen. Normalerweise brechen die härtesten dabei, aber ich nicht. Dabei war es so, dass einem junge Frauen die Uniform anziehen. Diese Uniform ist wie eine mittelalterliche Rüstung aus verschiedensten Teilen. Und es ist sehr aufregend und auch ein bisschen erschreckend, denn bis zum letzten Moment wird man in Unsicherheit gelassen. Und erst dann hat der Pilot gesagt, wenn du Angst hast, dann kannst du auch zurückbleiben. Viele haben Angst, es wird dir niemand einen Vorwurf machen. Und wenn man so etwas zu mir sagt, dann denke ich mir erst recht und dann bin ich natürlich mitgeflogen. Und es ist also sehr wild und sehr aufregend. Ich habe dann auch das Steuer übernommen, kurz, aber nicht die gesamte Wendung gemacht. Dann hat mir der Pilot gesagt, ich soll es durchführen und ich habe es also tatsächlich dann durchgeführt. Auch beim Fallschirmspringertraining war ich dabei und dort gibt es eine Vorrichtung, die man noch dazu Eichmann nennt, wo man also hinaufsteigen muss oder hinauffahren muss mit einem Aufzug 100 Meter und oben steht eine Plattform und dann schaut man von dort in die Tiefe hinunter und muss also dort hinunterspringen. Das ist also ein äußerst realistisches Szenario und man hat natürlich Angst, da in dieses Nichts hinunter zu springen. Man hat an der Schulter zwei Riemen und dann natürlich bleibt es, wenn der Fallschirm aufgeht, wird es langsam, aber noch immer viel zu schnell und ich habe mich beim Springen beim Knie verletzt. Auf jeden Fall ist Zahal ein fantastischer Film und zeigt eben, wie man sich diesen Mut aneignet. Oder eine andere Szene ist ein Heckenschützenüberfall. Normalerweise, wenn das passiert, versteckt man sich oder flüchtet, aber hier werden die Soldaten darin unterrichtet, dass sie sich auf den Angreifer drauf stürzen. Sie haben gar keine andere Wahl. Viele sind dabei gestorben, aber es ist ein Unterricht, wo man dann erkennt, warum die Armee so großartig funktioniert. Je propose qu'on arrête. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt auf. Vous m'entendez? Ich demande de... Bitte noch weiter applaudieren.